C'est une triste nouvelle qui vient de surgir dans le monde de la musique. En effet, il y a de cela quelques heures, la chanteuse Lisa Marie Presley apparaissait à Los Angeles à l'occasion de la 80e cérémonie des Golden Globes avec le sourire aux lèvres. Mais malheureusement, à la surprise générale de tous, l'information selon laquelle la chanteuse Lisa Marie Presley est morte ce 12 janvier 2023 a été relayée. Cela a été une nouvelle tout aussi soudaine que choquante pour les fans de la chanteuse. En effet, tout comme sa famille l'a bien évidemment confirmé dans un communiqué à l'AFP, la chanteuse Lisa Marie Presley a rendu l'âme à l'âge de 54 ans ce jeudi 12 janvier 2023. Victime d'une crise cardiaque, cette dernière avait été transportée de toute urgence très tôt le matin dans le même hôpital où elle avait été placée dans un coma artificiel, tel que déclaré par les informations du site TMZ. Ainsi, l'un des représentants Presley a déclaré que le clan Priscilla Presley et la famille Presley sont très dévastés et bouleversés par la disparition tragique de leur Lisa, fille bien-aimée, car elle était la femme la plus forte, passionnée et aimante que l'on a connue. Cependant, Lisa Marie Presley aurait été trouvée inconsciente à son domicile, situé à Calabasas, en Californie, par une gouvernante. Toutefois, son ex-mari au nom de Danny Crook, qui vit dans une vaste propriété, aurait alors tenté de pratiquer un massage cardiaque en attendant l'arrivée des ambulanciers. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard pour cette dernière. Cette mort est d'autant plus surprenante que l'ex-épouse du défunt Michael Jackson avait d'ailleurs très récemment brillé par sa présence pendant la 80e cérémonie des Golden Globes et était en pleine forme. Ainsi, ce 10 janvier 2023, au sein des Beverly Hilton de Los Angeles, elle s'était alors levée pour applaudir pour Austin Butler, vu que ce comédien avait été récompensé en tant que meilleur acteur pour ses multiples performances dans le biopic Elvis de Baz Luhrmann. Ainsi, quelques heures plus tôt, dans la journée du 8 janvier 2023, Lisa Marie Presley a d'ailleurs participé à une soirée organisée à l'occasion de l'anniversaire d'Elvis à West Hollywood. La célèbre chanteuse, qui avait toutefois suivi les traces de son célèbre père en publiant évidemment 3 albums, s'en est allée tout en laissant derrière elle sa maman Priscilla Presley, sa magnifique fille Riley Crew et qui est devenue actrice, mais aussi Harper Vivian Ann et Finley Aaron Love, ses jumelles qu'elle d'ailleurs avait eues avec son ex-mari Michael Lockwood en 2008. Malheureusement, Lisa Marie Presley rejoint cependant son défunt fils Benjamin Crook, qui s'était lui-même donné la mort le 12 juillet 2020 par balle, alors qu'il était seulement âgé de 27 ans. Dès lors, nous souhaitons tous un bon repos éternel à la chanteuse Lisa Marie Presley et que son nom puisse reposer en paix.